Salut à tous, mes petites coquines! Alors, comment ça va aujourd'hui? Putain, je sais même pas pourquoi je dis ça. Vous n'êtes même pas avec moi. J'aimerais vous m'écouter, mais bon, on se parle quand même. C'est de la télépathie. C'est. Enfin, bref, non, je sais même pas ce que je dis. Alors, je présente rapidement le gameplay. C'est un gameplay sur Call of Duty Ghost avec le fusil d'assaut SC2010, accompagné de son chargeur amélioré, viseur laser. Comme Killstreak, j'ai Chien de garde, Hind ou Hélico d'attaque, je sais plus comment ça s'appelle, et Mastodonte fou. Mais je suis pas ici pour vous parler du gameplay. Comme vous avez sans doute pu le lire sur le titre, je vais vous parler du Call of Duty 2014, donc en cette fin d'année. Car un Call of Duty sort pratiquement tous les ans. J'ai regroupé plusieurs informations, j'ai fait des recherches et je peux enfin vous parler de cette légende, donc le prochain Call of Duty. Il se trouve que Call of Duty 11, donc, ne sera pas Black Ops 3. Alors je répète, il ne sera pas Black Ops 3, comme certains le croiraient. Le 7 février 2014, Activision a confirmé la venue de ce prochain Call of Duty. Ce sera donc un vrai jeu next gen, donc de la prochaine donc next génération, car malgré, enfin, on ne peut pas dire que ce Call of Duty Ghost soit un jeu de la nouvelle génération. Enfin, il n'est pas super bien adapté à ces nouvelles consoles, tout ça. On va dire qu'ils l'ont raté. Ils l'ont un peu raté. Enfin, moi j'aime bien. De toute façon, j'aime presque pratiquement tout le Call of Duty. J'aime bien. Mais ils l'ont un peu raté quand même. L'aspect n'est pas à son beau fixe. Donc, le prochain Call of Duty, donc 2014, sera un vrai jeu next generation. Pour parler du développeur, à votre avis, est-ce que c'est Triarch ou Infinity Ward qui va le développer? Eh bien, c'est ni l'un ni l'autre. Eh oui, car maintenant il y a trois développeurs. Il faut savoir que MW3 a été développé par Infinity Ward, accompagné de Sledge Game. Qu'est-ce que je dis? Sledgehammer Game. Donc Sledgehammer Game est un nouveau développeur, donc qui est apparu en 2009. Et qui s'est débrouillé pour MW3, mais qui a laissé tout de même le travail à Infinity Ward. Et donc ils attaquent leur session avec donc ce Call of Duty 2014. Et maintenant, on se fait plus de secret, hein, je vais tout vous révéler. Ce sera Call of Duty Modern Warfare 4. Et oui. Donc, au cas où certains se poseraient les questions, ce sera Modern Warfare 4 et non pas Black Ops 3. Donc, ce qui veut dire, il n'y aura certainement pas de mode zombie. 95% des cas, il n'y aura pas de mode zombie. Il y aura certainement un mode survie ou un nouveau mode. Comme par exemple le mode Extinction sur Ghost ou je sais pas trop quoi. Bref. Donc, comment vous dire, MW4, donc il y a eu un premier tweet donc, de la part de ces développeurs, Sledge Game, Sledgehammer Game. Donc le premier tweet est, je cite, « Nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer le prochain Call of Duty en 2014. » C'est assez révélateur, je pense. Ils ne vont pas mentir tout de même. Alors. Et ils ont publié un deuxième tweet. Ensuite, je cite, merci de votre soutien. Point. Nous ferons de notre mieux pour faire ce prochain Call of Duty. Donc c'est assez révélateur aussi. Alors, il y a plusieurs informations à savoir. Graphiquement parlant. Il y a donc maintenant trois développeurs pour cette saga Call of Duty. Donc Infinity Ward, Triarch et oh putain, j'arrive toujours pas à le dire. Sledgehammer Game. Ce qui donne forcément plus de temps
aux autres pour développer leur jeu. Vous n'avez pas compris? C'est normal. Allez, je vous explique en détail. Étant donné que avant il n'y avait que deux développeurs. Et donc deux Call of Duty. Donc Call of Duty Ghost. Qu'est-ce que je dis? Call of Duty Black Ops et Call of Duty Modern Warfare. Entre ces deux franchises, il y avait donc une passerelle de 1 an. Donc ce qui laissait 1 an aux développeurs pour finaliser leur jeu. Maintenant, il ne sera plus question de 1 an, il sera question de 3 ans. 3 ans pour déjà 3 ou 2 ans. Mais 3 ans pour finaliser tous ces Call of Duty. Ce qui donnera, vous en doutez bien, de meilleurs multijoueurs, de meilleures histoires, un meilleur graphisme, de meilleurs packs téléchargeables, un meilleur jeu. Donc un meilleur temps de préparation, un meilleur jeu, ce qui ravira peut-être cette communauté. Donc pour ceux qui se poseraient la question, Black Ops 3 pourrait, je dis bien pourrait, car je ne suis pas sûr du tout, ce sont des ragots encore une fois, pourrait certainement sortir en 2015 ou 2016. Donc il faudra attendre encore 1 ou 2 ans, ou 3, je déconne, enfin oui peut-être, je sais pas, 1 ou 2 ans ou 3, pour voir apparaître un nouveau Call of Duty Black Ops. Ensuite, Call of Duty pourrait renaître cette année, car alors en effet, Pete Dood, un insider reconnu, a lancé la phrase suivante sur NeoGAF en parlant de l'opus à venir en 2014. Je cite, « En interne, les gens sont excités. C'est censé être un grand bond en avant par rapport à Ghost, graphiquement parlant. » Alors, si cette phrase ne vous parle pas, si vous êtes con ou illettré ou que vous êtes sourd, je ne sais pas, je ne peux plus rien faire pour vous, voilà. Alors, il se trouve que putain, je me suis perdu. Hein. J'étais en train d'écouter ma mamie parler. Je sais même plus ce que je disais. Donc, graphiquement parlant, comme le dit notre cher ami Pete Dood, ce Call of Duty 2014 sera une révolution. Une vraie, parce que Ghost. On peut le mettre à part quand même, hein. on est tous d'accord sur le fait. Bon, certes, il est pas mal, il est intéressant, mais on peut le mettre à part quand même. Et donc voilà, que vous dire de plus. Lors de conférences, je sais que à venir, certainement, pour la sortie, alors oui, pour la sortie des packs de map, ou des packs, enfin pour la sortie du contenu téléchargeable, vous savez tous, sans le cacher, que la Xbox a un pas en avant, donc qui, les joueurs de Xbox recevront leur contenu téléchargeable avant les joueurs de PlayStation. Et bien cela va changer, car voyez-vous, le contenu va sortir pour tout le monde en même temps, mais ça il faudra attendre encore un peu, je suis désolé pour vous. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère vous avoir donné des informations sur ce Call of Duty Modern Warfare 4, donc le Call of Duty 2014, le 11e Call of Duty de sa saga. Et je vous laisse en compagnie de ce gameplay. Et donc je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Fragman. À vous les studios.